Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode 2 Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc, nous dirigeons vers le Vassiliev Port. Et c'est fini pour Vassiliev Port, j'ai pas fait attention quand je boostais comme un malade, parce que j'étais en train de noter le nom de l'épisode précédent. D'accord, ok, why not? Bah écoutez, c'est pas bien grave. Hop, on y est prêt de toute manière, on est juste à côté. Donc en soi, c'est plutôt bon. Donc, nous avons récupéré 4 nacelles, pardon, je crois que c'était 6, j'ai failli dire 6. 4 nacelles de endommagées, donc avec du personnel dedans. Comme je l'expliquais dans le précédent épisode, il y aura normalement, lors d'une prochaine mise à jour, une amélioration de ce système de transport de personnes pour rendre déjà d'une certains vaisseaux viables. Je parle en l'occurrence de l'Orca, par exemple, ou de son grand frère, qu'est-ce qui est arrivé du coup dans cette mise à jour aussi. Et donc en fait, il y aura les premières missions de transport de personnes, que ce soit des personnes libres ou des personnes esclaves, entre guillemets, des esclaves. Et donc il y aura des modifications apportées au vaisseau si vous souhaitez faire ce genre de choses. Par exemple, une aire de vie, tout simplement, ou peut-être justement des cellules, une aire de vie, et ou des cellules suivant les personnes que vous, enfin le type de personnes que vous souhaitez déplacer, transporter. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive à un moment où les vaisseaux se remplissent de choses complètement inutiles qui nous obligent à nous spécialiser dans des choses, pardon, extrêmement précises. Par exemple, c'est très bien pour un orca de pouvoir déplacer des personnes. Il n'y a pas de souci. Personnellement, vu la taille du T9 ou de l'Anaconda ou du Python ou même d'autres vaisseaux, je pense particulièrement au Panther Clipper qui est teasé de temps en temps par Frontier, je pense qu'il serait pas mal d'intégrer au plus gros vaisseau quelque chose déjà de base. Et le problème c'est que si on commence à faire ça pour les gros vaisseaux, il faudra le faire pour les petits. Donc je pense que tous les vaisseaux entre guillemets polyvalents du jeu et les vaisseaux de transport de marchandises devraient déjà posséder ce genre d'air. Et les vaisseaux haut de gamme, en incluant les vaisseaux très haut de gamme comme par exemple la Fédérale Corvette. La Fédérale Corvette, vous l'avez vu, la taille qui est faite, il y a forcément une aire de vie quelque part. Ils peuvent pas ne pas en avoir. Donc voilà. Voilà mon avis, qui je le rappelle, est propre. Mes propres, pardon. Et est très personnel. Ah, je peux annuler l'appontage, c'est cool. Je savais pas. Aghanim Crimson Mafia. Bah voilà, la mafia a envoyé des gens, et puis ils sont crachés, et puis dans le cul, quoi. Ah, ça touche finalement. Je pensais que je toucherais pas. Hop. Voilà. Service de spatioport, pas besoin de rester trop longtemps ici sur place. Hein. Normalement, on devrait réussir ce qu'on veut. Je pense sans trop de soucis. Ah, j'aurais bien aimé récupérer des munitions et tout ça, faire le plein. Dommage. Dommage. Non, pas contact, justement. Mission. Tableau de mission. C'est une mission qu'on avait récupérée en vol. Donc bon. Tiens, scan sur le PC portable. Récupérer la récompense. Ah bah cool, c'est auprès de la Fédération. Génial. 114 000 crédits, bah voilà, c'est bon. Ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. Livraison de 30 unités de marchandises, assignation de LFT 992. Non, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas d'autre. Ah, si. Payayan. Je comprends pas. C'est retourné à Payayan, d'accord. Et en dessous. Tiens, prends les 200 000 crédits. Ça ne me dérange pas. C'est pour la Fédération. Me débarrasser de quelques crédits si tu veux bien les prendre. Encore faut-il que tu veuilles les prendre. Merci. Hop. Pour la fédé, je peux me permettre ce genre de choses. Ok. Mais ça ne m'aide pas au niveau de ma réputation. C'est génial. Bon. Ben écoutez, moi je pense qu'on va retourner. Normalement, on a. Oh là,
Attendez, il y a un truc qui est apparu en haut. Réputation change, d'accord. Ok. Si vous le dites, merci. Je voulais les voir aussi, au passage. Afficher les ingénieurs. The Dweller. Afficher les plans épinglés. Il nous faut beaucoup plus de plaques de dissipation thermique. Il nous en faut une grosse quantité. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas les échanger. C'est vraiment dommage. Donc, il nous en faudra beaucoup plus. De toute façon, de base, il nous en faut au moins 3, même au moins 5, je dirais. Sur les 6 points d'emport que j'ai, je crois. Non, 4 sur les 6 points d'emport, sur les 5 points d'emport que j'ai. C'est ça. Il nous en faut au moins 4, ce qui nous en fait au moins 8 plaques. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, why not? Les RES dans le coin, ils sont où? Voilà, pauvres. On se dirige vers les pauvres pour une simple et bonne raison, chers amis. Mais d'abord, j'aimerais peut-être rejoindre une station. Cherry Port, why not? On se dirige vers les pauvres pour une bonne raison, tout simplement parce qu'en fait, il y a moins de vie et donc c'est moins dangereux pour nous. Surtout que nous y allons avec... faut qu'on y aille absolument avec le moins de marchandises sur nous. Et actuellement, nous avons deux marchandises. Ça va être suffisant pour attirer les... Là aussi, c'est pareil. Ouais, d'accord. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Crac. Ça va être suffisant pour nous attirer les... les foudres de nos ennemis. Ce qui n'est pas intéressant sur ce point de vue-là. On cherche à choisir nos cibles, précisément. Du coup, si on se fait attaquer tout le temps, on sera moins à même de récupérer en plus les marchandises. Du coup, vraiment partir sur du pauvre et choisir nos cibles précisément, comme par exemple des T9, des T7 et des T6. Les Hadders, j'en ai pas vu en transporter. J'en ai pas vu en transporter pour l'instant, en tout cas. Du coup, ça reste à checker. On dirait les T9, je les ai pas vu en transporter non plus. Essaye de regarder vite fait si on peut pas les trouver ailleurs. Apparemment, rien qu'à mettre le nom, je ne les trouve pas. Donc c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Hop, j'aimerais qu'on aille dans cette direction, s'il te plaît. Merci. Hop, faire le plein. Alors, est-ce que j'ai plus d'informations si je rajoute farm? Non. Non, je n'ai vraiment rien. Mission reward, c'est aussi des récompenses de mission, ça c'est intéressant. Faudra vraiment qu'on le recherche du coup. Je me suis trompé en fait sur le nom apparemment. Ça m'étonne, mais why not? Le problème c'est que les noms je ne les trouve pas. Ah, excusez-moi. Oula! Eh ben écoutez. Why not? Chris Jan Lege. D'accord. Pouah. Hop. Tu voulais quelque chose? Bien plus mal que prévu, je dois l'admettre.
Vas-y, repasse par là. Je viens de te dire bonjour. Bonjour. Fait chier avec ses paillettes lui. 3. On va en avoir tant que ça déjà. Allez, hop. Allez Marcus. Tu peux le faire, c'est bon. Qu'est-ce qu'il avait ? Quoi ? Fallait pas que je le bute ? Mais il m'a attaqué ! The fuck ? What the fuck ? Oh là 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 ! Bon bah écoutez, allez vous faire voir hein. Vous êtes tous des trous du cul. Je vous le dis. Ah oui, je suis pas comme il faut. Pleine puissance. Hop, on y va. Fallait pas que je le bute apparemment, parce que le buter j'aurais dû en fait le laisser me tuer. C'est débile. J'aurais dû le laisser me tuer. What the fuck. Allez, ralentis. Putain, ralentis. Ralentis, bon Dieu. Oh mais non, mais... Regardez ça. Ah non. J'ai aucune raison de ralentir, tu es fou. On le voit freiner des dizaines et des dizaines de SL d'un seul coup des fois, et là... Non, 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 un SL, t'es fou. Un SL de différence. Non, 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 je peux pas. Bon, chéri port, en espérant qu'ils ont le ravitaillement, j'avais pas pensé à vérifier. J'aurais dû. My bad. On verra bien. Allez, advienne que pourra. C'est bon. Ok. Oh, c'est joli la planète, regardez en fond. C'est joli. Hop. Et on apparaît toujours pas devant, hein. C'est incroyable ça quand même. Hein. Et bah, avec cette vitesse, tu peux te le carrer où je pense, hein. Oui, t'inquiète pas, j'ai déjà joué au jeu, je sais que je dois réclamer, entre guillemets, mon accès à la station. Comme tant d'autres. Oh putain. Allez, non, j'ai pas le con. Oh là, j'ai fait le con. Je t'ai eu, je... Ah non, pas encore. Encore une station rouge, non? Non, ça va. Où est le point? Putain, je les vois plus, c'est violent. 12. On est d'accord, nous c'est bien 15. Y'a rien. 6 15, putain là-bas c'est au loin. C'est marrant, je le vois pas la première fois. Est-ce qu'ils ont modifié ça? Est-ce qu'ils ont réduit la distance d'affichage dans les stations? Ça m'étonne. Alors là par contre là je suis étonné. Hop. Oh là, le petit rebond à la con. Je suis pas allé si vite que ça. Donc, service de spatioport. Oui, c'est bon, ils ont tout ce qu'il faut. Faire le plein à ravitailler. Au passage. Contact. Ouais, d'accord. Toutes les primes de l'Alliance. C'est vrai que j'ai pas pensé à récupérer les primes de l'autre côté, en fait. C'est pour ça. Je viens d'y repenser. Ce qui fait que j'ai... Bon, j'ai à peine 100 000 de primes à récupérer, mais c'est rien. De toute façon, je pense que ma... Alors, je vais être recherché, je pense, parce que la prime que j'ai dans le coin est violente. Enfin, dans le coin là-bas est violente.
Et en fait, la question c'est est-ce que je garde ou pas mon accélérateur à plasma? Est-ce que je le garde ou pas? La chose étant que je ne tire que très rarement et que je ne touche encore plus rarement en fait. Je vérifie quand même le nombre de points d'emploi, c'est bien ce que je disais. On est 5 au total. Ah, ils ont un canon à fragmentation. D'accord. Et donc au niveau dégâts par seconde, ça en fait plus, effectivement. La pénétration de blindage moins importante, d'accord. Enfin bon, faut que je sois très très près de l'ennemi, quoi. Vous me direz, ça finit toujours en face à face, quoi. Donc bon, ça peut être pratique. Je sais pas. C'est pas grave. On se barre. On se barre. On y va. Hop, allez, non. Voilà, merci. Donc. 720 SL, ça va, c'est pas excessivement loin. Hein. On n'est pas au-dessus de... Tant qu'on est en dessous de 1000, c'est même très très proche. Enfin, c'est même proche. Très très proche, pour moi, c'est en dessous de 100. Mais bon. On y va, on va recasser la goule à quelques ennemis en espérant tomber sur plus de commandes alliage là, enfin de céramique machin là. De plaques de machin là, bidule truc. Je vais y arriver, je me rappelle plus le nom. Je me rappelle plus donc c'est con. Ah bah je vais devoir larguer mes compos. Je vais larguer à l'extérieur. Matériaux, ça va être là-dedans. Hop. Protection composite. Plaque de dissipation thermique, c'était ça qu'on cherche. On va sauter puis après on va éjecter les choses qu'on a dans la soute. Vous voyez qu'avec deux soutes on s'est déjà deux trucs dans la soute on s'est déjà fait agresser, donc ça vaut pas le coup de d'aller dans une zone anarchique pour ça. Ça ne vaut pas le coup. Alors on y va. Hop. Alors. Parfait. Cargaison de vaisseau. Vous voyez pour le prix que c'est pas excessif. Larguer et abandonner cargaison. C'est quoi la différence? Voilà. Ah, parce que je pense que quand je fais larguer et abandonner, en fait, les gens peuvent venir la récupérer. Ça doit être ça. J'imagine que c'est ça. Si vous savez dans les commentaires, chers amis, n'hésitez pas à le dire. Moi, je serais ravi d'en apprendre toujours plus sur ce jeu. De toute façon, vous l'avez remarqué dans le précédent épisode, le jeu me surprend toujours de plus en plus. Du coup, moi j'adore ça, et donc n'hésitez pas à me dire si oui ou non il y a moyen de faire des échanges comme ça de cette manière. Ça m'intéresse. Alors, on va quand même réduire un petit peu notre vitesse. Voilà. Oui, donc Brexit aujourd'hui, hein. Ils sont cassés. Bon, bah écoutez. Moi ça me dérange pas sur le problème, enfin ça me dérange pas entre guillemets personnellement qu'ils se cassent, ils font ce qu'ils veulent. Le problème c'est qu'ils réduisent aussi les chances de plein de Français par exemple. Il y a beaucoup de Français qui souhaitent aller en Angleterre pour telle ou telle raison, et c'est bête qu'ils quittent l'euro parce que voilà, du coup. Faudra revoir avec tout ce qui est Erasmus, tout ça. Mais bon. On verra, c'est le premier jour. C'est le premier jour. On a quand même pas su garder des alliés près de nous. 18% du PIB européen, hein. C'est pas rien. Mais bon, c'est comme ça. Bref, on va arrêter de parler géopolitique, ça serait débile. Même si dans le jeu il y en a de la géopolitique. C'est là que c'est génial, quand on lit les différents trucs autour du jeu, c'est épique. Genre un tel est soupçonné d'un meurtre, machin bidule truc. D'ailleurs je suis désolé pour l'événement Joker là, la défaite des BBS, quoi, hein. Des Blackbird Squadron. C'est dommage.
J'ai pas trop suivi l'événement, j'ai juste suivi un petit peu leurs infos à eux, et là j'ai vu que ce matin que c'était une autre équipe qui avait gagné. Désolé pour eux. Désolé, désolé, désolé. Alors. Alors. Ok, on y est presque. On y est presque. J'ai accéléré. Je suis un bourrin. Hop là. Voilà. Crac. Bonjour, c'est moi, le mec qui a tout cassé il y a 10 minutes. Enfin non, il y a 3 quarts d'heure. Enfin bon, sur le principe, ça reste ça. Sur le principe, ça reste ça. Je vois un groupe de 3 assez proche de la glace. On pose des questions. Gueule. J'ai rien sur moi par contre, je suis désolé les mecs. C'est Karl qui me scanne. Rien qui t'intéresse, je suis désolé. Par contre, toi, il est possible que tu m'intéresses. Et commençons déjà par tes copains. Hop, et de 1. Tu l'as vu venir celle-là? Hop. Crac. Ah bah alors, il t'arrive quelque chose? Je t'intéresse plus ou je t'intéresse? Dis-moi. Dis-moi si je t'intéresse toujours ou pas. Dis-moi si je t'intéresse ou pas. Dis-moi. Voilà. Bon. Ça c'est fait. Et ils avaient rien dans le coin. Il y avait vraiment rien sur eux. Type 9, Heavy. Ah, ça c'est bon ça. J'aime bien lire ce genre de choses. Il se fait déjà attaquer? Non, c'est moi. Ils sont plusieurs sur lui en tout cas. Je vais commencer par lui parce qu'il est vraiment solide hein, comme vaisseau. Hein. Et je vais essayer de viser les points sensibles si je puis dire. Target shields offline. Ok. Hop, j'aurais dû gérer ma vitesse mieux que ça. J'étais stupide. Il est pas très solide celui-là en fait. Crac, t'es à moi. Qu'est-ce que tu vas me lâcher? Échangeur de chaleur, ça il me semble qu'il va m'en falloir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le risque. Je prends le risque, on y va. Allez, on y va. Quoi? Mais non, je voulais pas, c'est pas ça que je voulais faire. Allez! Voilà. Récupère tout ça très vite. Plaque de dissipation thermique, on en a besoin, c'est génial. Conducteur en polymère, on en a besoin. Manipulateur chimique, je sais pas si on en aura besoin. Je crois qu'il y a, en fait, tout ce que j'ai vu qui était en thermique intéressant dedans, que j'ai des choses que je n'avais pas vues encore. Du coup, je me dis, vaut mieux peut-être mieux que je les récupère. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Un coup dans l'eau, c'est bon, il m'attaquera pas. Alors ça, c'était quoi comme matériau? Échangeur de chaleur, voilà. Ça, par exemple... Ça m'intéresse. Des vaisseaux qui se font défoncer autour.
Alors, je ne vois pas de gros vaisseaux de transport malheureusement autour de nous. Par contre, il y a Graham Beaumont qui nous a attaqué, qui nous a scanné, je crois. Non, même pas. Ken Goodwin. Ah, il y a un piton dans le coin. Ça m'intéresse, ça, par contre. Un piton mineur. Enfin, de minage. Un piton n'est jamais mineur, vous êtes fous. Par contre, il a pas beaucoup de boucliers, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il a fait à son bouclier? Alors, intentionnellement, je mets un maximum de points dans les défenses et dans les très très peu dans les moteurs. C'est intentionnel, je précise. Je m'amuserai pas trop longtemps à... Et j'ai bien fait de pas tirer tout de suite, parce que sinon, il se serait échappé. Il reste devant, il part derrière, dommage. Au moins, je ne l'ai plus, il m'a plus en visuel, par contre, ça c'est pratique. On passe pas devant le laser de minage. Ok. Il nous tourne encore le dos. Quand il est en train surtout de nous échapper. Ok. Il passe derrière à nouveau. Oula. Oh, j'ai eu peur à une attaque préventive. Il a boosté. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond, c'est débile. Il rebooste. Hop, tiens, bouffe. Allez, tire, oh Dieu! Ah, j'ai pas réussi à tirer une mission d'accélérateur à plasma, malheureusement. Bon, j'en ai à plusieurs dessus. Ces compos sont à moi! Ces compos sont à moi, faut pas que j'ai quoi que ce soit dans ma soute, cela dit. Plaque de dissipation thermique, oui! Vas-y, récupère-moi tout ça. Récupère-moi tout ça. Oui! Masse de dissipation, de plaques de dissipation thermique. Génial. Jackpot, chers amis. Jackpot, jackpot, jackpot. Excellent. Donc, faut s'attaquer au piton. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Faut vraiment s'attaquer au piton. Je vérifie qu'il récupère tout. Ah, excellent. Excellent, chers amis. Génial, absolument génial. Bah, récupère pas les fragments, ça m'intéresse pas. Parfait. Comment tu veux t'aller la chercher loin celle-là? Je trouve. Celle-ci elle est où? Ah non, c'est bien celle-là. Vas-y, vas-y, prends ton temps, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Bon, bah c'est cool, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Ah, je suis content. Là, pour le coup, on a vraiment du bol. Ça fait plaisir, ça change. Ça fait plaisir. Hop. Voilà, le nom de l'épisode est tout trouvé. C'est bon. Crac. J'adore cette chaise de bureau. Elle va me manquer. Quand je la jetterai par la fenêtre, elle va me manquer. Honnêtement, matériaux, plaque de dissipation thermique. Il en reste un là. Parfait. Dépêche-toi de le ramener avant qu'il n'y ait plus le temps. Il reste 100 secondes normalement, chers amis, hein, sur place. Hein. Ils perdent un point de vie à défaut d'un point de vie par seconde, donc.
Ok, on est bon. Un autre piton dans le coin peut-être? Moi maintenant j'en ai trouvé sur un. Je vais farm les pitons. Hein. Pas de soucis. Hein. Sidewinder. Nightmare. D'accord. It is Stanley Sadowski. Ok, on va booster un petit peu. Oula, on va avancer même un peu plus vite encore. Crack. Là-bas, je vois que ça mine un petit peu de toutes parts, hein, faut être honnête. Hein. J'en vois deux par là dans le coin. Je vais préférer aller par là parce que ce sera potentiellement un peu plus chanceux dans le coin. SP Explorer. Oh, c'est pas bon pour le minage, la SP Explorer. Me dis pas que tu viens miner. La SP Explorer étant un vaisseau entre guillemets polyvalent. Je dis bien polyvalent parce que moi personnellement je considère tout comme un vaisseau d'exploration. Hein. Justement, ni plus ni moins que ce qu'il est. Que la manière dont il était nommé plutôt, on va dire. Mais bon. Hop. Je suis étonné que ça lui ait mis si peu de dégâts en fait. Voilà. Hop. Est-ce que t'en avais? Composant mécanique, composant chimique. Fait un câblage de conduction thermique. Je pense pas que ce soit utile ça. Ok. Mais des Sidewinder sinon. Ok. Ah, il voudrait récupérer des choses. Non, non, il n'y a pas besoin normalement, mais vas-y, si tu veux, fais-toi plaisir. J'aimerais qu'on retrouve un petit truc avant quand même, merde. Non? Zéro? Viper MK4, Cobra MK3. On va pas en retrouver, hein. On va pas en retrouver. Nouveau matériau. Génial. Composant mécanique, oui, effectivement. Là-bas, il y a un truc de minage. C'est le fameux Nightmare avec son Sidewinder. Est-ce que le Sidewinder a worth it, entre guillemets, au niveau début du, comment, du jeu de miner? Je sais pas. Peut-être. Eagle, Eagle, c'est peut-être bon signe. C'est peut-être bon signe. 4 nouvelles cibles, attendez, attendez, attendez. Il y a quelque chose dans le coin qui m'intéresse du coup là. 4 nouvelles cibles, attendez. Non? Rien du tout? Est-ce qu'il faudrait que je relance une session? Est-ce qu'il faudrait que je relance une session? Je vais tenter un tir longue distance avec le... Ah merde, il se barre. Dommage. Dommage. Sinon je l'aurais tenté. Je l'aurais tenté. Ah non, je vois que ça bouge, mais non. Apparemment non. Vous m'embêtez à me scanner tout le temps, vous. Ah, je l'ai raté. Ah, cette vexation. Je rêve où il a manqué de se bouffer le... Non. C'est quand même pas un mineur. Non, il s'est planqué derrière, c'est rigolo ça. Il s'est planqué derrière. Regardez, il y en a un autre là. Tellement de eagle dans le coin, c'est... Grudnuk. Grudnuk, qui est Grudnuk? Je sais pas. J'ai perdu 1%. Allez comprendre. Qui est Grudnuk? Ça m'intéresse. Je veux connaître Grudnuk. Oula, ça pète dans un coin.
Ah merde, il s'en va aussi, c'est dommage. Hop. Ah bah là j'ai touché. Sidewinder. Bon bah écoutez, on va se faire la petite... de la petite cible. Ok. Émetteur de bouclier usé, rien de bien intéressant, malheureusement. Ah, on me cherche des noises. Et c'est pas suffisamment dangereux pour que mon système de ciblage me dise que si. Et si c'est bon. Voilà. Est-ce que ta vie t'importe beaucoup ou pas? Non, ils m'ont déjà bien réduit mes boucliers, les sacs. Hop, viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir papa. Allez, bien, c'est bon. C'est fait. Ma soute de lingot d'or, bah bien sûr. Quand tu veux, l'ami. Est-ce que tu viens venger tes amis ou pas, toi? Ah, j'ai mon récupérateur qui est ouvert. Moi, pourquoi j'avance pas? Je ne suis qu'un simple mineur. Mais ça tombe bien, tu es mineur. Hop, le Sidewinder qui est présent là-bas. On va tous se les faire finalement. Hein. Ah bah. Oups. Il lui est arrivé une couille. Quel dommage. Oula. Je vois processeur chimique, câblage, plaque de dissipation thermique. Oulala là là. Dire que j'ai loupé ça. Dire que j'ai loupé ça. C'est parti, va chercher tout ça. Va chercher tout ça. Hop là. On a loupé un paquet en plus. Il y en a au moins 3 là. Plus des processeurs chimiques. Non, là c'est pas bon là. Là j'ai pas été bon, chers amis. Vous voyez, il y en a qui sont à 79-69%. Non, là j'ai pas été bon du tout. On va s'y diriger pour gagner du temps. Hop, voilà. Viens les chercher vite, allez. Allez. Ah oh, mais il y en avait un tout près. Allez, viens vite. Viens vite, 58%, ici 47. Ah là 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 là. J'aurais dû aller les chercher manuellement. Vas-y, c'est bon. Parfait. Allez, hop, va chercher celui-là. Celui que je t'indique plutôt. On va essayer d'en récupérer en même temps. On va essayer de faire le duo. Le double duo. Hop. Il va le chercher. Ah, génial. Ah, il est malin comme tout. Il est malin comme un singe. Oh putain. Et tant qu'à faire, tu veux pas aller me chercher le... D'accord, c'est bien ce qui me ramène. Ah merde, on l'a perdu, dommage. Dommage. Eh bien écoutez les amis, sur ça qu'on va se... Ah attendez, il y a un type 7. Les T7, je sais pas, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur les T7. Ils viennent taper dans ma cargaison. Vas-y, récupère. Parfait. Ok.
Il a boosté, donc il se barre. Ils peuvent pas miner tranquillement, si je puis dire. Je croyais que c'était mon drone qui l'attaquait avec les bulles vertes là. Ah non, c'est bien lui qui m'attaque avec ça. Hop les. Voilà. Van thermique. Putain, il a encore lâché des choses que je ne connais pas. Dissipation thermique. Ça par contre, ça m'intéresse. Hop. Bah écoutez, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce qu'il y a là-dessus. Sur ce cadavre. Et on va se laisser là du coup pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. J'ai chié dans la colle avec le comment le drone, je pense. Voilà. Je vais le faire comme ça. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom. De façon, le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et je pense que les vannes thermiques, on en aura besoin pour les high level. Oh, génial. Salut les gens.